dans l'optique d'accélérer la marche pour la libération totale du territoire national, le thème de cet anniversaire se veut interpellateur à l'endroit de toutes les forces et doit désormais profondément résonner en nous, chacun de nous. En effet, si la défense de notre cher pays est une responsabilité qui incombe à chacune individuellement, l'ensemble des forces doivent rester soudées pour optimiser leurs actions dans une parfaite synergie. Aux commandants d'unité, soyez toujours pour vos hommes des modèles qui inspirent et entraînent l'engagement dans la discipline et le professionnalisme. Exercez votre leadership par l'exemple et vous récolterez de vos hommes des résultats qui dépassent souvent loin vos attentes. Sachez aussi écouter le cri de détresse de nos populations et prenez ces initiatives heureuses pour les rassurer chaque fois que cela s'impose. Permettez-moi à présent de rendre un hommage appuyé à l'engagement et à la bravoure, à l'esprit de sacrifice des volontaires pour la défense de la patrie, dont le rôle et l'exemple sur le terrain forcent l'admiration et donnent raison à ceux qui ont cru au concept VDP. Sont de ceux-là, son excellent monsieur le président de la transition, dont l'engagement farouche a permis sans commune mesure d'accroître les effectifs des volontaires. À cette mesure, il faut ajouter celle prise pour renforcer la formation, la dotation en armement, l'engagement et le rehaussement de la prise en charge de ces VDP. Ici, ici de rappeler que nous ne laisserons jamais assimiler nos braves VDP à des milices. Ils sont l'expression ardente de nos populations qui ont toujours réclamé qu'on les organise sans discrimination pour faire face aux hordes terroristes en entendant l'arrivée des forces de défense dans les localités non couvertes par leur présence. Les VDP, sous l'encadrement des FDS, constitue de nos jours un rempart efficace et redoutable dans la protection des populations en campagne. En témoignent les bons résultats qu'ils engrangent et le soutien dont ils bénéficient de ces populations. Je ne peux que penser au président Maurice Yamouyogo qui a eu l'idée de mettre en place cette armée et au président Sangoulé Lamizana qui a été le premier officier chef de cette armée et qui a jeté les bases de notre armée et qui par la suite a été appelé à conduire notre pays pendant près de 15 ans. Je pense aussi au président César Bo qui est un militaire, donc qui est de votre qui a eu à diriger ce pays aussi à un moment très critique. Je pense au président Jean-Baptiste Ouédraogo, qui, même s'il n'a pas dirigé pendant longtemps, a eu aussi à présider à notre destinée. Je pense surtout au président Thomas Sankara, qui m'a beaucoup impressionné par sa vigueur, par sa vision de l'État, et qui a jeté les bases de la nation burkinabé. Et je pense aussi au président Blaise Compaoré, qui était aussi militaire, bon, qui a eu sans doute ses limites, mais qui a dû apporter aussi quelque chose à notre pays. Je pense au colonel Isaac Zida, qui a dirigé aussi ce pays, même si c'est pendant un bref moment. Et je pense au lieutenant-colonel Sandaogo Daniba, qui a aussi eu à présider les destinées de ce pays, avec ses qualités et ses limites. Et je pense surtout à notre stratège actuel, le capitaine Ibrahim Traoré, qui préside le destiné de notre pays, qui a refondé l'armée, qui lui a donné les moyens capables de résister aux périls actuels, de donner espoir, de donner un sentiment nationaliste à chaque militaire. Et donc, je pense que maintenant, nous pouvons envisager l'avenir avec sérénité.